Une machine, unique à Bruxelles, unique dans tout le Benelux. En quelques minutes, ces crevettes passent du gris au rose grâce à un minutieux procédé de cuisson. Il y aura un processus d'une décongélation lente dans un premier temps. Par après, elles vont subir donc une cuisson à 95 degrés. Donc le cœur de la crevette va être chauffé vraiment jusqu'à 95 degrés. Et par après, il y aura donc un refroidissement lent et un saumurage. Ces crevettes roses que vous appelez scampi une fois dans votre assiette proviennent d'Amérique latine ou de Madagascar. Il y a quelques jours, elles repartaient pour être cuites en France avant de revenir ici. Aujourd'hui, elles sont cuites directement à Bruxelles. De quoi répondre à une très forte demande. C'est pas si intéressant de travailler sous-traitant de partout. C'est mieux qu'on le fait nous-mêmes en direct. Comme ça, on gagne beaucoup de temps, force de traçabilité. Une formule win-win pour cette entreprise qui longe le canal et qui a fait le choix de renforcer son industrie ici, à quelques minutes du centre-ville. À l'exact opposé de ce qui se fait dans le milieu, puisque en général ce genre d'usine se trouve en périphérie de grandes villes, voire dans de grandes zones industrielles. Ici vraiment, on vient renforcer l'image de Bruxelles, renforcer l'image de son développement, ainsi que le développement de son canal. On est vraiment ici dans le futur du développement des grandes villes. 5 ouvriers travaillent sur cette machine à temps plein. D'autres engagements sont prévus dans les mois qui viennent. Crustabru produit 3 à 5 tonnes de crevettes cuites par jour, les seules du Benelux livrées directement dans des restaurants, des poissonneries ou encore des supermarchés.